Bonjour à toutes et à tous, ici Vincent Longueug et bienvenue sur BioShock épisode 4. Et c'est bien ce qui me semblait, j'ai cru entendre des chromosomes. Ils sont déjà là, ils sont déjà présents, il y a une caméra aussi, donc prudence. Faut pas que j'entre dans la salle tout de suite. Par contre, si le mec il pouvait sortir, ce serait juteux. Il me rendrait un immense service. Parce que la caméra, je vois sa lumière, pas tout le temps, mais je la vois. Il est passé où ? J'ai pas rêvé, il y avait un mec qui était juste là quand j'ai démarré. Il est où? Bon, il a dû partir. Je vais attendre que la caméra fasse encore un aller-retour. Et je vais la pirater. Et puis comme ça, si jamais le mec se retrouve dans le faisceau de la caméra, on verra ce qui se passe. Hop, 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 hop. Voilà, descend par là, c'est parfait. Tac, tac, on démarre direct avec un petit piratage des familles. Voilou, voilou, tac, et boum. C'est plié. Alors maintenant, il est où? Il est là. Il m'a vu. Ah. Ennemi repéré pendant une minute. Yeah. Vas-y, déglingue-le. Bien joué! Bon, il va mourir, mais... Hop, 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 hop. Non, non, pas moi, pas moi, pas moi! Je préfère. Non, elle me voit. Elle me voit au travers du mur. Ah non, elle me voit beaucoup trop bien. Bon, j'ai déjà réussi à pirater celle-là, ce qui est une bonne chose, mais c'est cool. Attention, attention, voilà. Allez, allez, allez. Parfait. Bon, c'est cool. Les caméras qu'on pirate, elles sont non seulement inoffensives pour nous, mais elles sont offensives envers les ennemis. On s'en doutait un peu, mais c'est toujours bien d'en être certain. Alors, tac, tac, j'ai besoin d'horizontaux. Voilà. Et j'en ai plus. J'ai pas ce qu'il me faut. Voilà. Il m'en faut encore un. Voilà. Ça y est. Donc, le coffre. D'abord, le mec. Il est mort où, le mec? Là, je vois son pistolet. Et là, je vois son cadavre. Très bien. Et de là, j'arrive. Ok, ça tourne en rond. Hop. Là, c'est vide. Il n'y a rien de planqué sous les lits. Si j'arrive à marcher dessus, qu'on puisse regarder un petit peu ce qu'il y a par la fenêtre. Il n'y a pas de poisson, c'est dommage. On a une belle vue sur... C'est un trou dans le mur, ça? Ou c'est fait exprès? Je me pose des questions. Une balle d'antipersonnel. Hop, hop. Des munitions antipersonnelles, beaucoup. Pour la mitraillette, c'est bien. Hop, 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 hop. Voilà. Là, y a rien. Là, j'ai fouillé quelques pansements. Et sinon, on est full. Très bien. Alors, le coffre. Celui-là, il est facile. Hop. Et ouais, c'est... J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes patterns. Tous les coffres, ils démarrent toujours de cette façon-là. Avec juste deux coudes dans ce sens-là. Et il suffit d'inverser, de les inverser pour bien démarrer. C'est intéressant à vérifier ça, si vraiment tous les coffres se démarrent de cette façon-là, quelle que soit la difficulté. Hop, toujours plus de balles, et non, munitions perforantes, je suis plein. Blindé en munitions perforantes, blindé en tout le reste. Seringue d'Ève, je suis plein aussi, parfait. Bon. Et ben c'est pas mal. Ah, c'est pour ça que des fois je vois pas la lumière. Là, la lumière elle est sur le mur là, plutôt que d'être là au sol. C'est pour ça que des fois on la voit pas. Je me posais la question. Alors, du coup, ouais, j'ai exploré le truc là. Tout ça pour avoir un superbe coffre. Donc maintenant on est bon. Hop là, double gifle. Y a un cadavre que je pouvais fouiller à l'instant. Ah oui, c'est toi, toi t'es blindé en trousse de soins. Bon bref. Bonjour monsieur. Bouffe, bouffe, bouffe. T'es où? T'es
T'es passé où, fumier? Les bombes fumigènes, c'est bien joué. Attends un petit peu. Ouais, non, je vais prendre ça plutôt. Histoire de te les renvoyer dans la bouche. Oh. Voilà. C'est bien, un petit peu d'entraînement. Hop là. Un petit peu d'entraînement avant de jouer à la balle avec le mec en scénarium. Ouais, j'entends toujours le Big Daddy marcher dans le couloir là, mais on le voit plus. Il a disparu au fou. Il a disparu de l'autre côté. Allez, hop, merci. Allez, boum. Il veut encore jouer. Prends ça. Allez, une autre. Merci. Hop. Je sais pas si ça touche. Oui, ça a marché. Il est mort. Ah non, j'avais cru que sa boîte, que sa caisse de grenade était tombée quelque part par là. Elle doit être toujours là-haut. Est-ce que je peux... Est-ce que j'arriverai à choper... Ah. Ah, j'arriverai à choper. Non, non, ça je m'en fous. Non, non, non. Non, j'arrive pas à choper... J'arrive pas à choper plus. Donc j'ai pu jeter un œil dans la caisse de grenade, elle était vide. En dehors de ça, que dalle. Bon, alors, bonjour madame. Un peu d'argent, merci. Aujourd'hui, j'ai déjeuné avec la déesse. Steinmann m'a-t-elle dit. Je suis venu vous affranchir de la servitude de la médiocrité. Je suis venu vous montrer une nouvelle forme de beauté. De quelle beauté s'agit-il, déesse? Lui ai-je demandé. La symétrie, mon bon Steinmann. Il est temps de faire quelque chose pour la symétrie. Mmh. Alors le mec a déjeuné avec sa déesse. J'espère seulement pour sa santé mentale qu'il s'agit vraiment d'une vraie personne. Bon, je me suis pas avancé parce que je sais que par là, il y a du monde. Ah non, il est en scénarium lui aussi. Il est en scénarium. Non, allez. Ah, merde. Voilà, je l'ai eu. Je savais qu'il y avait ce gars-là. Je savais qu'il y avait ce gars-là qui contrôlait les machines. Parce que je me suis rendu jusque-là. Et je pensais que je pouvais le tuer. J'avais jamais essayé. Chaque fois, je me faisais surprendre. Là, bizarrement, il m'attendait pas dans le couloir. J'ai quand même pas réussi à l'abattre avant qu'il lâche son robot sur moi. C'est pas grave. Hop là. Maintenant, son robot, il est à moi. Son robot, il est à moi. Et il y a encore une tourelle de sécurité qui traîne. Alors, attends. Hop. Je le désactive volontairement. Parce que pour m'occuper de la tourelle qui est là-bas, j'en ai pas besoin. Je prends ça. Aïe. Pour l'instant, je suis planqué derrière la grille. Tout va bien. Tout va à peu près bien. Aïe, non, les balles passent à travers. Ouais, ça marche. Ça marche, l'arc électrique va assez loin. Hop. Allez. Tec, 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 tec. On va passer par ici. Et je vais ensuite avancer un peu plus. Voilà. Alors, ça c'est les surcharges. Provoque un court-circuit, un puissant choc. Donc ça, ça me fait perdre de la vie. Et ça, c'est une alarme. Ça déclenche le système de sécurité. Donc forcément, il y a un robot de sécurité qui va venir me refaire la face. Si jamais je passe par là. Ça a l'air d'être un bonus parce que on peut l'emprunter dans tous les sens, ça l'est pas. En plus, ouais, on peut pas le déplacer, ça clignote en rouge. Non, 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 non. Allez. Voilà. J'aurais même pu faire plus simple, voilà. Et c'est réglé. Très bien. Donc la tourelle de sécurité, c'est à nous. Et tu fais bien de te tourner par là parce que c'est vrai qu'on a... Déclencheur d'alerte, il est passé où? Non, il y a juste une caméra. Hop, 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 hop. Non, 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 elle me voit beaucoup trop bien, cette caméra. Elle arrive beaucoup trop bien à me voir. Hop, 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 hop. Ouais, je suis planqué. C'est bien. Et donc, le mec qui a lâché son robot de sécurité pour moi, il a disparu. Il a disparu dans le scénario. Ouais, par là, plutôt.
bibliothèque. Par ici. Par là. Là ensuite ce sera obligatoire. Voilou et. Celui-là. Très bien. Donc, tout ça pour une caisse enregistreuse, une seringue d'Ève, merci. J'avais fait l'idiot. Par là c'est bon. Munitions perforantes, on est full. Des pansements, on en a pas besoin. Et un coffre. Un coffre avec un piratage moyen. Mais, hop là, on se souvient de l'astuce. C'est effectivement toujours les mêmes. Pour les coffres, on démarre toujours de là, on arrive toujours ici. Hop, on descend. Il faudra aller par là à un moment donné. Et voilou. Impeccable. Pour toujours plus de fric, munitions perforantes et trousses de soins, j'en ai pas besoin. Mais bon, commence à avoir un petit pécule intéressant là, 400$. 400$ et... Aphrodite arpente les couloirs, luisante comme un scalpel. Elle m'appelle Steinmann, Steinmann. Ce que vous cherchez, je peux vous le donner. Il vous suffit d'ouvrir les yeux. Et lorsque je la vois, elle me découpe en milliers de splendides morceaux de chair. Ouais, c'est sa muse, hein. Aphrodite, c'est sa muse, il l'aime beaucoup. Alors, toi, j'ai failli ne pas te voir, et d'ailleurs, hop, j'ai pas fouillé le cadavre là non plus. Décharge statique. Fortifiant de combat. Ryan Industries présente le dernier cri de la technologie en génétique dissuasive. La décharge statique vous transforme en bobine Tesla capable d'électrocuter les créatures assez stupides pour attaquer. Impeccable. Vous émettez une décharge électrique si vous êtes touché, ce qui inflige des dégâts tout autour de vous. Ouais. À courte distance, j'imagine. Donc, avec le maître de mêlée, c'est un truc qui me pousse à attaquer les gens au cac, en fait. C'est un truc qui me pousse à utiliser la clé anglaise, là. Masse de dégâts pour ceux qui osent croiser ma route. Alors ouais, les portes là sont fermées. J'ose imaginer que c'est au travers d'une de ces portes que le mec est monté sur le balcon pour me jeter des grenades. Et j'ai le robot de sécurité que j'ai désactivé tout à l'heure. Et qu'il serait bien de faire venir avec moi. Parce que là on y est, hein. Dr Steinmann, idéo-esthétique, c'est l'heure du combat. Ouais, là il est là, il est fier. Poste de soins, non, j'en ai pas besoin. Beauté, mon beau souci. Ouais, il est là, il est en train d'opérer. D'abord tu me permets, je fouille. Chevrotine, j'en ai pas besoin. Hop, hop. Alors je sais qu'il faut l'affronter, je l'affronte comment? L'arc électrique, ça m'a l'air d'être pas mal. Et en termes d'armes, je sais pas avec quoi il se bat. Je pense la chevrotine c'est pas mal. Même si je fais masse de dégâts avec la clé anglaise, je devrais utiliser la clé anglaise plutôt. Paralysie et dégâts doubles avec la clé anglaise, je vais lui faire prendre cher au Dr Steinmann. Il va prendre dans sa bouche... tous ses talents de chirurgien esthétique pourront rien faire pour le remettre en état une fois que j'en aurai fini avec lui. Non mon gars, tu mourras pas. Allez approche. Viens là que je te sauce. Allez bouffe. Aïe aïe aïe, je suis à sec. Ah non, et c'est vrai que c'est... Bon, je vais laisser mon robot travailler un peu. Attends, il est passé où? Ouais, allez-y, déglinguez-vous. Vous faites ça très bien. Non mais vas-y, continue, hein, t'arrêtes pas. T'arrêtes pas, ce mec doit mourir. Allez bouffe. Allez bouffe. Ouais, ça se fait bien, hein. À la matraque, ça se fait super bien. Vas-y. Ouais, vas-y, encore un peu. Il est cuit, là.
Non, c'est moi qui dois porter le coup de grâce. Bon, c'est moi qui devais porter le coup de grâce. Et lui, du coup, il est en train de fumer sévère. Je suis pas sûr que ce soit très bon pour sa santé. Bon. Allez, la clé du sas d'urgence et plus de munitions. C'est parfait. On va bien là-bas. Il était temps que quelqu'un s'occupe de cette raclée. N'oubliez pas de prendre la clé de Steinman et repartez vers le sas d'urgence. Je suis moi-même en train de me diriger vers l'arrière de Port Neptune. Nous y serons bien assez tôt. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Bon. Eh ben, c'est pas mal. C'est pas mal. À la matraque, ça se gère vraiment très bien. Alors ça, c'est en train de brûler. Est-ce que quelqu'un a tiré dessus ou est-ce que quelqu'un a donné un coup? J'hésite à donner un coup sur celui-là pour savoir ce qui se passe, en fait. Est-ce que ça le fait exploser ou est-ce que ça déclenche juste une fuite de gaz brûlant? J'hésite. J'hésite. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pouvais... j'aurais pu utiliser ça et avec la télékinésie pour les lui jeter à la bouche, hein. Ça aurait été pas mal. Ça, par contre, c'est dangereux. C'est dangereux pour ma santé. Le fait qu'on ait un magnifique câble qui... Alors, rien par là. Une trousse de soins, on s'en fout. Le coffre. Le piratage facile. Allez. On démarre toujours de la même façon. Une fois qu'on le sait, c'est génial, ça. Pop. Et boum. Fini. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des trousses de soins à gogo, ouais. Donc ouais, Steinman, c'est un type qui se fait au cac. Steinman, c'est un type qui se fait à la dure sans utiliser de plasmide. Quand je vois le nombre de trousses de soins qui m'envoie dans la bouche, et à côté de ça, j'ai aucune seringue dev, ils veulent que Steinman, on le fasse au cac, hein. Hop. Pas de lifting. Un journal, parfait. Fil de soie 4-0. Et voilà. Le nez est magnifique, Dr. Steinman. Docteur ? Vous savez, maintenant que je la regarde, je n'avais pas vu que son visage s'affaissait autant. Scalpel. Pardon ? Scalpel. Docteur, elle n'est pas venue pour un lifting. Voyons, par où vais-je commencer ? Docteur, arrêtez. Docteur ! Docteur, je vous en prie ! Allez me chercher le chirurgien en chef ! Je veux voir le chirurgien en chef tout de suite. Ah, ce journal audio, je crois qu'il y avait exactement le même dans Burial at Sea. À 2-3 détails près, je suis sûr que c'était quasiment exactement le même. Et c'est donc de là que je connaissais le docteur Steinman. C'est de là que je le connaissais. Donc ouais, c'était pour ça. C'était pour ça. Le robot, il me suit. Ouais, il arrive à me suivre. C'est bien. Il y a quelques... Alors non, chevrotine, j'en suis pas servi. Je l'ai fait entièrement au cac, Steinman, je suis assez fier de moi. Par contre, je vais avoir besoin de récupérer... Bonjour madame. Allez, boum. Voilà, parfait. 1, 2, 3, 4 personnes. Excellent. Du fric. Une seringue d'Ève. Rien du tout. Du fric et du fric. Bon, et ben, elles ont reçu un petit acompte pour venir me tuer de la part de Ryan, peut-être, visiblement. Du fric, j'avais même pas, ouais, je l'avais pas fouillé, j'étais un petit peu pris par la mitrailleuse, c'est pour ça. Bon, par contre, du coup, ouais, il y aura encore du monde qui m'attend sur la route, potentiellement. Bon, je voulais dire quoi, moi? Oui, donc Steinman. Steinman, à la limite, si ça l'amuse de charcuter des visages ou des corps entiers pour sa recherche de la beauté, parce qu'il se prend pour le Picasso de la médecine, si ça l'amuse, pourquoi pas, mais qu'il fasse ça sur des cadavres, ou sur des gens qui sont d'accord de se livrer à ce genre d'exaction et d'expérience, hein, pas sur des personnes vivantes et non consentantes. Et conscientes aussi, parce que la nana qui était l'acrosome qu'il avait sur sa table, je pense pas qu'elle était du genre anesthésiée. On dirait qu'un autre tunnel vient de s'effondrer. Bien sûr, le royaume de la rouille et de la ferraille. J'ai des flashs. Ouais, ça c'est de là d'où je viens et... Ouais, non, le sas est complètement défoncé, c'est pas possible. Tant pis.
Oh la vache. Oh le Big Daddy, qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est une petite sœur. C'est l'occasion pour vous d'obtenir un peu d'adam. Oui, bah la petite sœur, elle attendra. D'abord, qu'est-ce qui est arrivé à ce... Qu'est-ce qui est arrivé à ce protecteur? Comment il a fait pour se faire exploser la face comme ça? Qui est responsable? Comment c'est possible? Bordel. Bon, la petite sœur, je peux pas la rejoindre en passant par la vitre, hein, bien sûr que non. Il faut passer par la grande porte. Je ne le laisserai pas faire de mal à mes petites protégées. Tout va bien, l'ami. Ce n'est plus une petite fille. Mais ma maman, le docteur Tenenbaum s'est occupé d'elle. Peter, ne lui fais pas de mal. N'as-tu donc pas de cœur? Pas de cœur? Voyez-vous ça? Et c'est le monstre qui a créé ces infâmes machines inhumaines qui nous dit ça? C'est vous qui avez pris de jolies fillettes pour les transformer ainsi. Écoutez-moi bien, vous ne survivrez pas sans la dent que ces choses transportent. Voulez-vous vraiment mettre votre vie, celle de ma femme et de mes enfants dans la balance, pour épargner les monstres inventés par Tenenbaum? Il y a un autre moyen. Utilisez-y. Libère-les de leur souffrance. Je trouverai un moyen de te dédommager. Merci. Merci Tenenbaum de m'offrir une alternative. Merci de me laisser un choix. Alors, lui au passage, hop, il est cuit. Il est cuit, il est bel et bien décédé. Là-dedans, il n'y avait rien, hein, parce que je suis passé assez vite pour déclencher la cinématique, mais il y avait que dalle. J'ai cru voir un cadavre, parfait. Hop, la caisse. Munitions, je suis full, je suis tellement blindé en termes de munitions. Et la clé anglaise, elle est tellement pétée, je m'en sers tout le temps. Je vais le regretter peut-être à un moment donné. Ah. Qu'est-ce que c'est ça? Non seulement ces fillettes sont de véritables usines d'Adam, mais en plus, elles sont pratiquement invincibles. Elles régénèrent les chairs blessées avec des cellules souches tirées des tissus morts. Cependant, leur relation avec les limaces implantées est symbiotique. Car si on prélève la limace, voyez-vous, l'hôte meurt. Tenenbaum dit que ce n'est pas tué, mais plutôt soulager un patient en phase terminale. Soulager un patient en phase terminale, sauf si on retire la limace, donc si on... Sauf que là, elle m'a offert une alternative. Là, t'inquiète pas, ça va aller. Je sais que j'ai une clé anglaise en main, mais c'est pas pour toi. Choisissez entre sauver la petite sœur ou récolter son Adam. Si vous récoltez son Adam, vous en aurez un maximum pour vos plasmides, mais elle n'y survivra pas. Si vous la sauvez, vous aurez moins d'Adam, mais Tenenbaum m'a promis de vous dédommager. Et cette promesse me suffit amplement. Cette promesse me convient parfaitement. Arrête de me passer devant, je suis en train de parler à la petite. Donc, petite sœur, il est temps pour toi de venir me faire un gros câlin. Non. Si. Là, c'est fini. Chut. Et voilà. Tu m'as sauvé la vie. T'étais pas en danger de mort, hein. La voie du juste est semée d'embûches, mais la récompense viendra en son temps. Sois patient. Ça sert de tout, petit. Tenenbaum vous fait marcher. Ces créatures ressemblent à des fillettes inoffensives, mais ne vous fiez pas aux apparences. Vous devez récupérer le plus d'adam possible. C'est une question de survie. Je... chemin d'un jardin des glaneuses, tâchez d'acquérir un ou deux nouveaux plasmides. Si un prix va être résolu. Vivi. Un jardin des glaneuses. Justement, il y en a un juste là. Et on a les commentaires du réalisateur. Parfait, bobine de film doré, blablabla. On sait que ça peut spoiler. On s'en fout, moi c'est juste pour mon plaisir personnel, le plaisir de compléter tout ça. Et donc le jardin des glaneuses, nous y sommes, nous avions enfin accès à ces machins-là, tous ceux qu'on avait croisés jusqu'à présent, ils étaient défectueux. Ah, si vous n'avez pas visité le jardin des glaneuses, chut. Les papas malins vont toujours au jardin. Voilà, le speech est fini. Donc, amélioration de santé, amélioration d'ev pour augmenter mes jauges, mais ça me coûterait tout l'adam que j'ai récupéré. Et en dehors de ça, je peux m'offrir la liaison Eve
et l'armure corporelle ou alors la rage. Enfin, je peux m'en offrir deux sur les trois. Alors la rage, Souchong en avait parlé, ça enrage la cible, donne à son qui dirige son attaque vers quelqu'un d'autre, ouais. Ouais. Mais bon, je pense pas que ça fonctionne à tous les coups et c'est assez cher. À côté de ça, on a l'armure corporelle qui réduit tous les dégâts physiques, et ça me plaît beaucoup. La liaison Ève, l'utilisation des trousses de soins restaure aussi votre Ève. Ouais, ça c'est pas mal. Mais bon, il faut que j'utilise ma trousse de soins. Enfin, il faut que je me trouve dans une situation où j'ai besoin d'utiliser une trousse de soins et à la fois ma jauge d'Ève n'est pas pleine, si je veux que ce truc soit utile. Bon, je vais le prendre quand même, parce que c'est bien de l'avoir au cas où, mais... Mais voilà. Alors... Profitez mieux de vos trousses de soins avec la liaison Ève. Grâce à ce fortifiant génétique révolutionnaire, votre corps produit de l'Ève lorsque vous utilisez une trousse de soins. Très bien, et je peux le mettre dans un emplacement libre. L'utilisation de trousses de soins, blablabla, c'était assez explicite. L'armure corporelle qui réduit tous les dégâts physiques, plutôt que d'enrager la cible qui dirige son attaque vers quelqu'un d'autre. Ouais, j'hésite un peu, mais je préfère... Je préfère encaisser moins de dégâts. Alors, fortifiant de combat. Utile dans toutes les situations délicates, l'armure corporelle offre une excellente protection contre les petits tracas de la vie quotidienne. Sans plus attendre, essayez l'armure corporelle. Ah, et du coup, je suis obligé de... Alors, je peux le stocker et le réimplanter. Je pourrais me le remettre plus tard quand j'aurai des emplacements, débloqué des emplacements supplémentaires. Ou alors, je peux remplacer la décharge statique ou le maître de mêlée. Alors le truc, c'est qu'avec les deux là, je suis hyper offensif. Mais celui-là ne fonctionne que quand je suis au CAC. Enfin, je suis super offensif au CAC, justement. Avec le deux là, je suis super offensif au CAC. Mais si je suis de base, je fais énormément de dégâts au CAC. Est-ce que j'ai vraiment besoin de la décharge statique? Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que, justement, je réduise les dégâts des ennemis que j'affronte au corps à corps? Je pense que ouais. La plupart des ennemis, je peux les one-shot ou les double-shot. Et ça fonctionne que si je prends du dégât. Donc, tant qu'à faire, quand je prends du dégât, je préfère en prendre moins. Parce qu'avec ça, j'arrive déjà à faire suffisamment de dégâts. J'ai pas besoin de ça en plus pour augmenter la dose. Allez. Et on est bien. Voilà. Donc, j'ai récupéré le commentaire. J'ai récupéré de la dent. J'ai sauvé une petite sœur, c'est merveilleux. Lui, il est toujours opérationnel, même s'il fume un petit peu. On est bien. Toujours plus de munitions. Ouais, trousse de soins. Est-ce que j'en claque une pour remonter mon Ève? Ce serait une bêtise. Je suis sûr que ce serait une connerie. Alors, est-ce qu'il y a du monde qui est apparu par ici? Non. Ah si, voilà, je t'ai vu. Il est temps pour vous d'affronter un protecteur. Ce ne sera pas facile, mais c'est le seul moyen d'arriver aux petites sœurs. Et à la dent qu'elle transporte. Non, juste non. Il y a une petite sœur plus loin. Pour prendre son adam, vous devez d'abord affronter son protecteur, oui. Oui, sauf que non. Elle est partie où, la petite sœur? Elle est partie courir, je sais pas où. Elle est là. C'est quoi, monsieur P? C'est quoi? J'ai pas bien compris ce qu'elle a dit. Je vous demande pardon. Ouais, je trouve que le protecteur m'a laissé... Le protecteur a pris un risque, là. la petite sœur était entre moi et lui. Ce qui est une mauvaise chose. C'est lui qui devrait être entre moi et la petite sœur, pas l'inverse. Attends, y'a un... Non, c'est bon, je vais pas... Je ne vais rien faire pour l'instant. T'énerve pas. J'étais juste en train de checker s'il y avait un chrosome qui traînait par là-bas. Vu que t'avais l'air de t'énerver après ce couloir. Bon.
Donc ouais, je suis fin prêt à affronter un protecteur qui me dit Atlas. Non, justement, je suis pas prêt. Psychologiquement, je suis pas encore prêt. Donc on fera ça dans le prochain épisode, parce qu'en plus les protecteurs, si j'ai bien entendu ce que disent les gens dessus, il faut se préparer un minimum, il faut étudier le terrain, étudier nos possibilités pour... hop, le passage recharge. Il faut bien étudier toutes les possibilités, toutes les cartes qu'on a en main, ainsi que le terrain, les opportunités que nous offre le terrain, si on veut s'attaquer à un Big Daddy. Donc, je vais pas le faire maintenant. On va s'arrêter là. Je vais me préparer psychologiquement, et ensuite, dans le début du prochain épisode, on va étudier le terrain pour... Oh non, la petite sœur se barre. Bon, bah je vais devoir attendre qu'il en trouve une autre, parce que sinon ça sert à rien que je l'affronte. Mais bon, j'espère qu'il en trouvera une d'ici au début du prochain épisode, d'ici à ce qu'on étudie un petit peu le terrain pour savoir comment on arrivera à l'affronter. J'ai des tourelles de sécurité et des robots de sécurité pour me soutenir. Donc ça peut le faire. Et maintenant le Big Daddy, ouais, il peut... Ouais, il me gère toute sa route parce que je suis en plein milieu, mais en dehors de ça, je le dérange pas plus que ça. Mon existence ne l'importune pas et ça me convient très bien. Donc, j'étudierai le terrain dans le début du prochain épisode et ensuite on affrontera le Big Daddy et on avancera dans l'histoire. En attendant, n'oubliez pas le petit j'aime qui fait toujours plaisir, le partage, c'est super important, et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Allez, à tchao, bonsoir.